54e jour de ma quête pour trouver le One Witch, et aujourd'hui j'ai pas le temps parce que demain je vais au mariage de ma sœur, alors on va se faire un américain réunionnais, simple mais terriblement efficace. On commence par faire une mayo maison avec un jaune d'œuf, du vinaigre, de la moutarde, du sel et du poivre, et de l'huile que l'on ajoute progressivement pour la faire monter. Ensuite on va ciseler un demi-piment, j'ai pas trouvé de piment capri alors j'ai pris un piment antillais. Et on l'ajoute à notre mayo accompagné d'un peu de ketchup, on mélange bien et on réserve au frais. Ensuite on va prendre une pomme de terre que l'on épluche et qu'on découpe en bâtonnets assez épais pour faire des frites, puis on va râper une bonne quantité d'emmental avant de sortir le jambon blanc du boucher. Pour la cuisson des frites, on fait ça dans de l'huile d'arachide avec un premier bain à 160 degrés pendant 5 minutes, puis on enchaîne avec un deuxième bain à 180 degrés pendant encore quelques minutes. On les sale et on peut passer à l'étape finale. On prend une belle baguette tradition, on la coupe en deux mais pas entièrement, on étale notre mayo pimenté sur les deux côtés, on dispose nos deux tranches de jambon blanc, on garnit de frites et on recouvre d'une bonne dose d'emmental râpé, ça part au four quelques minutes à 200 degrés et c'est prêt. Franchement c'est simple et rapide à faire et en plus, c'est bon. La prime est fixée en fonction des interactions de la vidéo, alors oublie pas de liker, de commenter et surtout pas de t'abonner parce que c'était que le...